Nous allons voir comment gérer la taille d'un texte dans une cellule, donc comment agrandir la taille de la colonne et comment aller à la ligne si nécessaire. Donc, commençons par taper un texte. Donc, on voit ici que le texte dépasse la taille de la cellule A1. Il dépasse sur la cellule B1, mais en fait, il n'est pas dans la cellule B1. La cellule B1, on voit bien qu'elle est vide ici. Donc première chose, nous pouvons agrandir la taille de la colonne en amenant notre souris entre la colonne A et la colonne B. On clique et on étire et on agrandit la taille de la colonne. Une autre possibilité est de se placer au même endroit et de double-cliquer. Et à ce moment-là, la colonne se met à la taille du texte le plus long automatiquement. Elle s'adapte automatiquement à la taille du texte. Maintenant, si nous voulons garder une taille de colonne plus réduite et aller à la ligne au sein de la cellule, on double-clique dans son texte. Et on appuie sur CTRL et Entrée, ce qui nous permet d'aller à la ligne directement dans la cellule. On peut le faire plusieurs fois, comme ici. Et voici ce que l'on obtient. On peut aussi centrer son texte. Et comme tout à l'heure, adapter de nouveau la taille de la colonne à la taille du texte.